Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo hors du commun, révélation. Mes frères et sœurs, c'est bizarre, c'est étrange. Depuis la disparition de ces stars, des choses étranges se révèlent de jour en jour. Et aujourd'hui, on voit une autre star qui vient nous révéler qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui font des choses bizarres pour empêcher les gens d'évoluer. Sérieux, qui n'a pas envie d'évoluer? Tout le monde veut évoluer, tout le monde veut réussir. Mais quand il y a des trucs pareils, c'est bizarre. Ces stars de son vivant est à côté des trucs du genre, les gens sortis de la boycottée, les gens tapis dans l'ombre qui essaient de lui mettre des bâtons dans les roues. Pour ceux qui n'ont pas écouté ça, c'est le moment d'écouter. Écoutons attentivement. Il y a beaucoup de problèmes dans cette tournée. Wow. Je ne peux en parler, mais vous voyez déjà le boycottage, vous voyez déjà comment ça se passe. Ce n'est pas qu'on ne peut pas aller souffrir des panneaux publicitaires pour inonder tout Abidjan, mais si il y a des personnes mal intentionnées qui conspirent seulement pour que cette tournée que je suis en train de faire pour aider, les enfants de la rue, pour aider des orphelins, et en même temps aussi pour faire plaisir à mes fans un peu partout dans toutes les communes. Si ça c'est méchant, si ça c'est une mauvaise intention de ma part, vraiment, je suis désolé pour ces personnes qui conspirent et qui font tout. Voilà, donc je vous attends. Vous avez entendu ça, cette personne est en train de parler des gens qui sont en train de comploter pour empêcher son œuvre. Et voici un problème encore bizarre qui vient pour confirmer cette affaire. Voici une autre star encore que vous voyez de l'autre côté. Selon les informations que nous avons reçues, elle révèle, elle confirme qu'effectivement, il y a des gens tapis dans l'ombre qui boycottent des personnes. Et vraiment, c'est étrange. Écoutons ça. Plus de 2 mois après son décès, la rappeuse Nash a confirmé les propos du Dieuze d'Afrique en soutenant qu'il existe bel et bien des personnes tapies dans l'ombre qui œuvrent contre les artistes ivoiriens. Ce que disait Arafat est tout à fait vrai. Il y a des gens qui s'adonnent à cette pratique de vouloir boycotter les autres, a-t-elle soutenu lors d'une conférence de presse qu'elle a animée le samedi 2 novembre 2019 à Cocody. La Gokraka du Djassa a révélé qu'elle est également victime de sabotage depuis plusieurs années. Cela fait 18 ans que je fais carrière dans le showbiz ivoirien. Je suis aujourd'hui ambassadrice nationale de l'UNICEF pour les enfants. Je me bats seule pour organiser chaque année mes événements, donc Hip-Hop Enjaillement, et mes actions en faveur des enfants de la rue. Je dépose chaque année mes dossiers pour rechercher des sponsors, des soutiens, c'est toujours compliqué. Personne ne m'accompagne. Il y a en effet des gens tapis dans l'ombre qui me font des coups bas. Wow. Ils me boycottent pour rien. Ils ne veulent pas en fait me voir avancer et être autonome. Ils ne veulent pas en fait, ils ne veulent pas en réalité me voir avancer et être libre, autonome. Ils veulent que je passe toujours par eux et que je dépende nécessairement d'eux. Il veut que, il veut que je, il veut toujours s'accrocher du genre à moi. Et il veut que, il veut toujours avoir la même mise sur moi. Mais là, c'est là le problème secret. C'est vraiment dommage, a déploré Nash. L'artiste a ajouté que, quand ils finissent de me torpiller, il y a des gens qui m'appellent pour me dire, tel a dit ceci, tel a dit cela. Et ça, c'est la sorcellerie. Quand les sorciers venus de vous attaquer dans l'ombre, ce sont eux maintenant qui vont venir maintenant dans la vie réelle pour vous demander, ah, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Tu es en bonne santé? Est-ce que tout va bien chez toi? Ça, ce sont les signes de la sorcellerie. Qu'ils sachent que je les connais. Elle dit qu'ils sachent que je les connais. Souvent, les gens voient les sorciers et disent, ah, toi, je te vois, tu es un sorcier, tu es une sorcière. Façon, ils me voient et me battent, ça fatigue le système. Moi, je n'ai rien contre eux, j'avance. C'est Dieu seul qui va faire mon palabre. Elle dit qu'elle compte sur Dieu. Ah, ça, c'est grand, c'est extraordinaire. Notons que l'ambassadrice nationale de l'UNICEF prépare actuellement un concert live qui aura lieu le samedi 19 octobre 2019 à l'hôtel Azalai de Makori. Elle aussi, elle prépare son concert, une manifestation, et voici qu'elle a profité de cette belle opportunité pour parler un peu de toutes ces choses mystérieuses qui ont lieu dans cette affaire. Croyez-vous à ça? Est-ce que vous croyez-vous à ça? Est-ce que vous pensez que c'est de la blague? Est-ce que vous pensez que c'est de la blague et que les choses sont simples? Mes frères et sœurs, il y a un tas de trucs terribles qui ont lieu. Les gens racontent tas de choses. Vous pouvez penser que ce sont des histoires, mais dans ce monde où nous sommes, le cap a une mainmise sur les choses.
Le diable veut tout contrôler à tous les niveaux, à tous les systèmes. Quand vous décidez de sortir du trou, ou même de sortir de l'eau pour vous accrocher à Dieu, là, mais c'est grave, c'est pire. Parce que ce sera la catastrophe. Vous devez sincèrement être fort et vous entourer de bonnes personnes. Sinon, restez seul et avancez avec Dieu, qui sera votre sauveur. Dans toutes les situations que vous traversez, prenez appui sur le vrai Dieu. C'est pas de la blague. Prenez appui sur le vrai Dieu. Confiez-vous à lui seul. Lui seul pourra vous aider. C'est le moment de chercher Dieu et de ne plus se laisser distraire. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Sans doute, nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Restez connectés, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Nous avons trois chaînes, cliquez sur ce bon aussi. Allez, ça n'a pas d'accueil, abonnez-vous sur notre chaîne. C'est parti.